Salut Daniel, les bains de 73-51. Ouais, affirmatif. Attends, j'arrive en bas du pont d'Aquitaine. Alors, voilà, tu devrais bientôt, là, je suis dans le virage, là, pour amorcer la montée là, vers le pont d'Aquitaine. Voilà, Daniel, je vais te proposer un QSY sur le canal 20 en FM, le canal 20 en Fox Mike. Ok, le 605 canal 20 Mike. Le canal 20 en Fox Mike. Ok, Daniel, voilà, je suis là. Il y a une station qui m'a appelé derrière. Désolé, j'espère que tu vas avoir suivi. Daniel, est-ce que tu es là? En Fox Mike, Daniel, en Fox Mike. Ok, voilà, je t'ai récupéré en BLU, Hachi. Ouais, je te demandais de passer en Fox Mike, en FM. Ok, pour la FM. Ok, voilà. Bon, j'ai entendu une station sous 19 qui m'a appelé au passage. J'espère qu'il aura suivi. Alors, Daniel, est-ce que tu es là? Oui, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Je sais pas s'il a suivi, si c'est pas le cas, je vais aller vite le récupérer sur le 19, je reviens tout de suite. Ouais, la station pour Dundee 33, les bandes 113-51, voilà, j'arrive en bas du pont d'Aquitaine. Avec Daniel, on est passé sur le canal 20 en FM. Le canal 20 en FM. Ok, voilà, alors je sais pas s'il a suivi, parce que là, pour le coup, je l'ai pas entendu. Donc, je vais répéter deux fois le message, canal 20 en FM. Ouais, donc, le choix de la FM, d'abord pour commencer, comment vas-tu, Daniel, ce matin? Ah, ben, écoute, mieux que le temps, hein, parce que là, c'est toute merde, là. Oh, là, 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 là. Je te dis pas, là, j'ai... je pense qu'on va finir toute la journée, aujourd'hui, hein. Voilà, hier, une excellente journée, une agréable journée. Oui, enregistrez le break. Ok, oui, affirmatif, la station a suivi. Les bases entrées à la station de la part de Dundee 33 en compagnie de Daniel Senteur. Alors là, voilà, je suis en train de passer là sur la rocade, là sur le lac de Bordeaux-Nord. Et Daniel est du côté de Saint-Médard. Retour à la station. Ok, ça marche, moi je prends le bon train, direction Gradignan. Direction Gradignan. Ah bah Daniel, tu devrais l'entendre, là, il n'y a pas de problème. Directement pour moi, je me fais plus loin, parce que je l'entends, il n'y a pas de problème. Je l'entends, mais il est plus loin que toi pour moi. Rémi, tu te rapproches de moi, celui qui s'éloigne, c'est de direction Gradignan. Je pense qu'il s'en va sur la route de Bayonne. Je sais pas, la station, tu prends direction Bayonne, c'est ça? Tout à fait. Ah, affirmatif. Ah oui. Eh oui, quand on a un GPS dans la tête. Je te salue la station, bien sûr. Hein. Daniel Senteur, donc, pour se mettre en jal, hein, voilà. Attends, Daniel est en train de parler. On va discuter encore, mais c'est pour la prudence parce que c'est pareil. Tu dois avoir la route du bide là-bas, une station. Par contre, je vais le prénom de l'opérateur.
Est-ce que tu peux pour revenir pour le prénom de l'opérateur, s'il te plaît, Daniel Saint-Florent-Bac. Ok, c'est Scooby-Doo, c'est ça, la station? Je me souviens plus. Ouais, Scooby-Doo 33, c'est bien ça, hein? Ok, ouais, Daniel, c'est Scooby-Doo 33. Ouais, ouais, c'est je ouais, les camions rouges, voilà, c'est ça, Hachi. Voilà, Daniel, t'as compris de quel camion je veux parler. Ouais, ok, tout ça, c'est ouais, petit, tu l'as peut-être même déjà croisé, la Scooby-Doo 33. Il a une paire d'antennes blanches là sur ses rétros, là, de chaque côté de la cabine. Voilà, je. Toi, Scooby-Doo, comme quoi je me souviens bien là, des explications que tu m'avais données. Hein. C'est ça, exactement. Il y a des plaques partout ici. Oui, 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 puisque il n'y a pas très longtemps, tu es passé route de Martignas. Et donc là, j'ai de suite repéré ton camion. Ouais, voilà, Daniel, il était passé par une fois là, par ton site, avant de passer devant, devant le mien. Voilà, tu m'avais envoyé un SMS pour m'avertir là qu'il allait passer de mon côté, Hachi. Oui, voilà, c'est pour ça que ça m'a parlé, effectivement. Ok, Rémi, oui. Très bien, quand même aussi, je t'ai vu. Il n'y a pas de problème, c'était venu sur Martignac, là, chez moi, hein. Voilà, sur mon site aussi. Hein. Effectivement, oui, c'est vrai que ça avait été un message, mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de discuter avec le web, là. Hein. Voilà, mais tu vois, parfois je me rapproche de lui, enfin, je me rapproche directement, puisque je suis entre Magudas et Martignac, là. Ah, négatif, négatif, d'autant plus, non, non, il n'a pas la BLU. D'autant plus, Daniel, le choix de l'AFM ce matin là, pour le QSO nous a été demandé là, sur Internet justement pour montrer autre chose. Car c'est vrai que quand ça passe mal en AM, eh bien, on passe en BLU et là, de suite, les portées sont décuplées, on retrouve plus facilement la station. Mais on a trop tendance à laisser de côté la FM, qui a pourtant une émission de bonne qualité, quoi. Voilà, et on peut également faire du DX, hein, quand la propag est bien de ce côté-ci, quoi. Voilà, donc, c'est pour ça que là, ce choix nous a été demandé, justement, là, pour changer un petit peu de passant FM. Et par la même occasion, bon, une petite vidéo, comme ça, les gens sont contents, ils vont pouvoir voir autre chose en même temps, là, dans les différents modes. Et voilà, voilà. Salut, je rentre sur la rocade. Ok, alors attends, parce que là je suis passé il n'y a pas longtemps là devant le nouveau radar qui est sur la rocade. Alors qu'est-ce que je vois? Prochaine sortie, le Hayan. Bon, je suis en approche de la sortie 9. Moi je suis une sortie Blanquefort. T'es à la sortie Blanquefort? Ah bah t'es pas très loin derrière moi alors. Ok Daniel, tu es où là? Alors je suis sur Magudas, c'est 100% QRC, donc pour le mode FM. Hein. En fait, je pense que Mike, il n'y a pas de problème à Rémi. Oui, mais non, il n'y a pas de souci. Mais attends, là, je ne comprends pas là, s'il était à Gradignan tout à l'heure et qu'il arrive vers le fond de la cité, il ne se dirige pas vers Bayonne, là, il va où là? Il va plutôt, il a contourné la route pour rattraper la route de Paris là, Scooby-Doo.
Ouais, Scooby-Doo, il y a Daniel qui a des bugs. Il comprend plus par où t'es passé pour être à la sortie Banquefort. Je peux répéter, ouais, Scooby-Doo, Daniel a pas compris par où tu es passé pour arriver à la sortie Banquefort. Moi, j'ai récupéré en cas de prise. Ah oui, tu sors du dépôt de Banquefort pour rattraper la rocade. Ah, ça m'a dit. Ok, Daniel, voilà, il sort du dépôt de Banquefort. Ah, ok, voilà, de retour. J'ai un petit souci avec la prise micro. Voilà, vraiment fort, je m'en occupe. Il sort du dépôt de Banquefort pour rattraper la rocade. Voilà, c'est ça. Donc, l'explication de tout à l'heure, il était un petit peu en avance, tout simplement. Ah oui, parce que là, c'est bien, quand je me disais, enfin, quand je déposerais tout, hein, j'étais gradinien direction Bayonne, bon, c'était tout à fait logique, voilà, parce que tu vas la rattraper. Mais là, tout le temps, avec ce temps de la sortie, si tu dis qu'il est à la sortie de l'Alto, là, il m'a dit, j'ai surtout en mille avance, Ah, ça passe mal, hein. Je suis à la sortie 26, là, j'arrive là sur les ronds-points, rien que là, je t'entends mal, quoi. J'arrive à la sortie de Hayan. Ah, la sortie de Hayan, ok, Scooby-Doo. Ah, j'ai pas mal de QRM. Daniel, t'es toujours là? Oui, je suis là, Rémi. Ok, j'ai une montée de QRM. J'ai pourtant essayé de monter un petit peu le squatch, mais là j'ai trop de QRM sur le secteur, là, ça passe au-dessus. Ouais. Oui, alors si je me souviens bien, puisque Scooby-Doo 33, ton camion, je l'ai vu de très près là une nuit, puisque j'avais bossé justement là-bas. Donc tu as les deux antennes blanches, mais c'est pas celles-ci qui sont utilisées, c'en est une troisième qui est derrière la cabine. C'est bien ça, Scooby-Doo? Voilà, c'est bien ça. Daniel, les antennes blanches sont là, elles sont là. Mais c'est le troisième qui est plaqué derrière la cabine qui est en marche. Daniel? Oui, je suis là, Rémi. J'étais en train de balancer, je suis rentré sur le site, là, ça y est. Je suis sur le site, voilà, je me garde en arrière. Par contre, ce que dis-nous, là, je l'entends plus, là. Ah mais tu m'étonnes que je n'arrivais pas à régler le squatch, j'étais... voilà, c'est... Si, il est toujours derrière. Ok, voilà, donc... ouais, je croyais avoir monté le squatch tout à l'heure, mais tu vois, sur le Superstar 6009, le squatch, il faut aller le chercher très haut, quoi, là, au niveau du réglage.
Alors, ce qui fait que moi j'avais l'habitude du 3009, donc je l'ai monté à un tiers et puis quelque chose comme ça, c'était bien suffisant. Là je suis à la moitié carrément là. La moitié, même un peu plus de la moitié du réglage du squatch pour arriver juste à le déclencher un peu quoi. Je suis à la moitié, j'étais obligé de le laisser pour entendre Scooby-Doo, mais voilà, comme je te disais Rémi, là je suis sur le site, hein, voilà, je suis rentré, là je suis sur le site, hein. Je vais te laisser continuer sur la route un petit peu avec Scooby-Doo. Alors je ne sais pas s'il m'entend, je lui renvoie les bonnes amitiés. Scooby-Doo, si tu viens dans le coin là, de Martignères-Mérignac, on se verra peut-être si tu viens chez nous. Voilà, allez, Rémi, je te fais autour de micro, là je vais passer RT, rejoindre les collègues. Ok, Scooby-Doo, bonne journée Daniel. Scooby-Doo, est-ce que tu es sur le secteur aujourd'hui, secteur de Mérignac, Martignas, ces coins-là? Normalement, oui, je me dis. Ok Daniel, voilà, vite fait, voilà, ok, Daniel, vite fait, affirmatif. Il nous fera peut-être un petit coucou s'il est dans les parages, s'il s'arrête de ce côté-ci. Ok Rémi, tu m'envoies un petit SMS, hein. Ok, attends deux secondes. Ok Daniel, voilà, là il prend la direction de Bayonne, donc il nous souhaite une bonne journée à tous et à plus. Ok Scooby-Doo, allez, bonne route à la prudence, surtout la bonne roulée à la tête. Bon Rémi, allez, je te laisse mon grand, bonjour au chef, c'est le chef de retour. Ah, ça y est, le souvenir de danser. Et surtout prudence, la route mouillée. Et pas trop d'eau. Ok, merci Scooby-Doo, merci Daniel, bonne journée Daniel, reste à l'abri. Hachi, je vais essayer d'en faire autant, ça pas, c'est pas gagné. Bonne journée Scooby-Doo, prudence, oui, sur la route, il pleut, oui, ben oui, c'est parti pour un tour. Ok, et à bientôt là-dessus. Avec plaisir. Ah oui, avec grand plaisir même, Hachi. Allez, bonne journée, bonne route. Merci. Voilà, donc, alors... C'est vrai que la FM est un petit peu bruyante, c'est pour ça que même en AM on peut le faire d'ailleurs. Faut pas hésiter, comme j'ai fait ce matin, à utiliser le squatch. Ça devient de suite beaucoup plus silencieux. Voilà, ok. Donc, dans les précédentes vidéos, on était surtout en AM, quand ça passait mal, on passait en BLU. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait différent. Plutôt que de passer automatiquement en BLU pour mieux se retrouver, on est passé en FM, et ce qui a permis justement à un mille pattes de pouvoir nous retrouver dans le QSO, ce qui est bien sympa, donc à renouveler. Voilà, les bonnes 13:51 à tous, bonne journée, merci de nous avoir suivis jusque là, j'y crois coup. A plus, bye bye.